Après le coup d'État qui s'est déroulé très récemment en Guinée-Conakry, le colonel Doumbouya envoie un message poignant à Macky Sall. Que se passe-t-il réellement? Voici ses dits. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Quelques jours seulement sont déjà passés, après avoir renversé Alpha Condé de son fauteuil présidentiel. Dans son beau pays, le colonel Doumbouya semble faire une grande course contre la montre vis-à-vis de ses ennemis et à travers l'Afrique tout entière. Après avoir dissous toutes les institutions guinéennes et placé ses hommes en attendant, 10 voix plus clair, le colonel Mamadi Doumbouya est passé à la vitesse supérieure dans son beau pays. En effet, selon la grande dépêche, à peine installé au pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya cherche à étaler ses tentacules au niveau de la grande région dans son beau pays. Selon des sources bien informées de la dépêche, le nouvel homme fort de la Guinée-Conakry accablé en ce jour les présents du Sénégal, Macky Sall, et celui de la Guinée-Bissau. Pourtant, Moustapha Diakité avait invité le président Macky Sall à ne pas reconnaître ce régime de putschiste. C'est ainsi que dans ce sens, le colonel Doumbouya a aussi envoyé un message poignant au président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara. Que se passe-t-il réellement? La grande division de la gauche ivoirienne en Côte d'Ivoire, Simone-Yvette Gbagbo, va-t-elle enfin créer son propre parti politique? C'est la question qui s'interroge de nombreux militants présentement en Côte d'Ivoire. Vis-à-vis de la scène politique, Simone-Yvette Gbagbo fait de terribles révélations. Non contente de son traitement par ses camarades de son parti politique, le Front Populaire Ivoirien en abrégé FP, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone-Yvette Gbagbo, va-t-elle se résoudre à créer son propre parti politique en Côte d'Ivoire? C'est la question que s'interrogent nombreux militants présentement. Revenu au pays en juin 2021, le président Laurent Gbagbo a vite fait de mettre fin au bras de fer avec Pascal Affi-Guissant dans le contrôle du Front Populaire Ivoirien en abrégé FP. L'ancien prisonnier de la prison de Scheveningen a décidé de créer un nouveau parti politique. Chemin faisant, l'une des camarades socialistes, et non des moindres, Simone-Yvette Gbagbo, émet des réserves. Dans un communiqué de presse consécutif à sa grande nomination dans le groupe de réflexion du parti politique Naissance, cette grande militante de renom a dénoncé des manquements et même un manque de grande considération à son égard. Vis-à-vis de la scène politique, c'est ainsi que Simone-Yvette Gbagbo profite de l'occasion et risque de démissionner du nouveau parti politique du président Laurent Gbagbo. La question ne manque pas d'intérêt. Les camarades du président Laurent Gbagbo et Simone-Yvette Gbagbo ne s'accordent plus sur de nombreuses questions à travers la Côte d'Ivoire. Le malaise a même impacté leur vie de couple au point que le divorce soit envisagé. Le choix des réseaux sociaux pour montrer qu'elle n'est pas associée comme il se devait, par celui qui est encore officiellement son époux trahi. Une autre divergence au sein des camarades de la gauche socialiste.